Ah, ok. If you want, est-ce que... Hein? Soit fais zoom ou... Ah non, pas fais zoom. Juste chez terre pour... Non, qu'un peu ici. Ok. Blee. Ok, là. Ok, garçon. Est-ce que nous allons parler en français ou en anglais ou en créole? Bon, la façon dont on veut... N'importe. Ok, mais nous n'avons pas encore parlé en français pour nos lecteurs français. Donc... On va commencer en français. Bon, ma garçon, je viens de parler un peu de notre travail ensemble. Et donc, ça va. Les lecteurs vont lire dans notre livre, on espère quand même, ce que nous avons écrit, comment nous pensons ensemble, façon nous pensons. Mais, bon, nous avons commencé il y a plus de 2 mois maintenant et nous avions tellement d'obstacles même avant de commencer. Est-ce que tu avais cru que nous pouvions écrire un livre en 2 mois comme nous avons fait? Bon, pour moi, c'était normalement depuis... Depuis quand j'étais ado, j'avais l'idée de décrire toujours. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de décrire quelques petits poèmes, mais sans approfondir. Parce que normalement, ici, quand nous écrivons, il faut avoir un marin et une marraine ou un parrain pour nous appuyer, pour nous aider à avancer. Mais puisque je savais déjà là, et l'évolution de mon pays, comment les gens n'encadrent pas, ou le gouvernement n'encadre pas les jeunes qui ont des volontés pour avancer avec. Elle ne veut pas, juste elle veut laver sa main dans mon jus. On va prendre un petit repos pendant que le camion passe. Wow. Yeah. Et c'est-à-dire, j'avais beaucoup de découragement. Parce que quand on fait quelque chose, on ne trouve aucun appui de la part de qui que ce soit. On pourrait vraiment désolé, découragé. Mais avec l'arrivée de Paul Jackson en 2006 en Haïti, lorsque j'habitais à Delma 19, bon, et j'avais appris qu'il était un écrivain. Et ensuite, dès que j'ai entendu ça, je lui apportais mon cahier pour montrer quelques petits poèmes que j'ai écrits. Bon, elle a dit, oh, il a dit oui, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Il m'encourageait. Et depuis en 2006, il voulait écrire un livre, c'est-à-dire avec moi. Mais c'était un peu émotionnel, moi, parce que nous n'avons pas vraiment concentré pour trouver des idées pour écrire un livre. On ne dit pas et on n'avait pas trouvé des idées, mais c'est comme les idées apparaissaient en masse. C'est-à-dire on ne pourrait pas, on n'aurait pas la capacité de déchiffrer les idées pour trouver ce que nous... ce que nous voulons. Et bon, ça s'était tombé à l'eau. Mais après le séisme, c'est-à-dire nous reprenons contact et nous avons l'idée de créer un site internet qui s'appelle Heart of Haiti WordPress. Et on écrit des articles à publier
Et après, on a vu que nos articles ont parfois utilisé dans des journaux qui payables pendant que nous travaillons pour rien. Comme dans nos dictons haïtiens qui se dit « bouille travail pour choix le galonné ». C'est-à-dire, avec ça, non, c'est pas bon pour toi, chérie. Oui. Elle est fâchée avec moi. Mm-hmm. Avec ça, on pensait plutôt de préférence, si on pourrait écrire un livre avec nos articles, avec l'idée que nous dégageons dans nos articles, peut-être ce serait mieux pour nous. Parce que c'est vrai, nous critiquons les choses, mais nous critiquons les gens qui exploitent, pendant qu'on nous exploite. C'est-à-dire, nous ne voulons pas et exploiter les autres. C'est la raison pour laquelle nous voulons chercher de nous exploiter l'un l'autre. C'est-à-dire, en parlant de j'accepte, Paul m'exploite et Paul accepte que je lui exploite. C'est pour nous encadrer, pour ne pas déborder, pour aller exploiter les autres. Comme font majorité de gens, juste exploiter les pauvres sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, parfois, ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, j'ai l'habitude de voir les ministères qui partagent de l'eau potable avec les gens qui habitent dans mon quartier à Delma 33. C'est-à-dire, en donnant de l'eau, ils ont un caméra pour prendre les images des Haïtiens qui se battent pour l'eau. Ça, c'est un genre d'exploitation. Parce qu'avec cette image, il va démontrer, ok, normalement, regarde comment les Haïtiens ont vraiment de la soif et vous devez nous donner plus d'argent pour que nous agrandissons et créer des citernes, etc. Parce que ce peuple a meurt de faim ou de soif. Et ça, c'est une exploitation. Mais nous l'avons fait d'une autre manière. C'est-à-dire, en pensant de créer une façon à nous pour nous puissions survivre. Et pour le livre, tu m'as demandé est-ce qu'on avait des difficultés, est-ce qu'on avait pensé si exactement. Et est-ce que j'avais pas quelques petites inquiétudes pour écrire le livre? Pour l'inquiétude, je peux énumérer comme des montagnes d'inquiétude. Parce que, surtout après nos articles, nous avons fait des démarches pour essayer d'aller à l'ambassade, pour malgré nous avons des éditeurs, Between the Lines, qui acceptent de publier nos livres. Il nous a envoyé une lettre pour aller à l'ambassade et j'avais rempli les formulaires et ensuite j'avais d'autres lettres de logement. Par exemple, Paul Jackson, mon ami, il m'avait envoyé une lettre et sa mère ainsi, elle m'avait envoyé une autre pour dire ok, je suis bienvenue au Canada. Je devrais entrer facilement parce que je n'aurai pas de problème pour dormir. Parce que j'ai chez Paul et chez sa mère, Tron. Mais l'ambassade m'a refusé. Mais je me demande pourquoi. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Bon, juste, c'est comme... Je sais que l'eau va à la rivière. L'eau va à la rivière. C'est que... salut. Bonsoir. L'eau va à la rivière parce que normalement,
il est plus facile pour un étranger de venir ici en Haïti au lieu qu'un Haïtien pauvre aller au Canada ou dans un autre pays. Donc tu imagines, tu penses que c'est ta pauvreté, c'est ça? Oui, c'est... Parce que les formulaires que tu as remplis... Oui. Tous les formulaires étaient bien, bel et bien remplis. Et bel et bien remplis pour montrer que tu étais pauvre. Oui, que tu es pauvre. Que j'étais vraiment pauvre. Et les questions étaient conçues pour montrer ta pauvreté, non? Oui, et surtout, j'avais pas peur, j'avais pas de la crainte pour expliquer d'où est-ce que je viens, c'était soleil, soto, et je fils d'un paysan, etc. Mais. Je pensais que c'était la vérité que l'ambassade cherchait. Mais pourtant, c'était plutôt... Ils voulaient entendre des gros mots que j'ai des voitures, des grandes maisons, etc. Je suis le fils d'un grand monsieur, etc. Les bourgeois haïtiens, par exemple. Mais c'était pas la réponse. C'est pas la vérité. Oui. C'était pas la vérité pour moi. Bon, pour toi, la vérité t'exclut du Canada. Mais on m'a rejeté à cause de la vérité. Mais entre-temps, j'étais vraiment découragé parce que Paul avait l'habitude de me raconter comment le gouvernement canadien ne veut pas les pauvres entrent au Canada. Bon, j'avais un peu de doute lorsque Paul m'a raconté ce genre de choses. Mais après l'expérience à l'ambassade du Canada, je vois que peut-être si l'ambassade a l'appui du gouvernement Canada, peut-être il place l'ambassade pour accumuler ou entasser l'argent des pauvres pour enrichir le plus. Parce que j'avais obligé de donner 75 $ pour un refus. Et il y en a des autres qui ont donné 400, 300, etc. Mais puisqu'ils viennent de des endroits pauvres, juste on leur refusait. Mais pendant qu'on prit leur argent, c'est comme, ok, on vous refusait, mais on accepte l'argent.